Eh bien salut mon petit plouc, comment ça va? C'est Julien et on se retrouve sur Barrière de Barbos. C'est censé être le boss de la région. De Donkey Kong Country 3, évidemment, je t'ai pas représenté le jeu, mais je vais pas le refaire à chaque fois parce que tu commences à connaître, je pense. Un boss avec ça? Je sais pas si c'est une très bonne idée. Oh! Oh non, c'est eux. Quoi, je dois lui buter ses petits enfants là? Tiens! Encore un enfant? Tiens! Ah, je dois les lancer sur lui! Évidemment que ça allait se passer. Mais oui, mais. Attendez, je crois que j'ai une idée. Faut le faire rebondir contre le mur. Voilà, comme ça, exactement comme ça. Hop, tu le fais rebondir. Hop, mais non, pas comme ça. Voilà, exactement comme ça. Et là, tu vas le piquer. Voilà. C'était exactement ça qu'il fallait faire. Du coup, il est descendu, je dois le suivre. Apparemment, c'est ça qu'il faut faire. Et on refait la même. Mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant encore? Il clignote. Ah, ok. Une fois qu'il clignote, il va en ligne droite. Mais attendez. Ah, faut le diriger sur eux. Pas sur moi, du coup. D'accord. D'accord. Pas évident, hein. Déjà, il faut comprendre ce qu'il faut faire. Hop là. Hop là. Putain, c'était rapide cette fois. Bon, écoute, bon, là, c'est un peu de la merde quand même. Hein. En ce moment, il est moche. En plus, c'est une moule. Ça va 2 minutes. 26 vies. Ça devrait le faire. Ouais, mais non, mais non, mais non. Si t'es au milieu de l'écran, ça l'a même pas fait là. Voilà, là, ça l'a fait. Voilà, merci. Hop là. Donc maintenant, c'est là que c'est un peu difficile à comprendre. En fait, il faut jouer avec lui. Une fois qu'il devient jaune, tu le diriges sur eux et tu t'enlèves et voilà, ça le défonce. Concrètement, c'est pas si dur en vrai. Oui, mais voilà! C'est ça le problème, c'est qu'il faut t'écarter de la trajectoire au dernier moment en fait. Mais il y avait son pote derrière! Qu'est-ce que c'est de la merde? Tiens. Tiens. Bah voilà, on a les deux. Bah voilà, c'est pas si dur, hein. Ensuite, celui-là, ce passage est pas si dur non plus en vrai. Hop, hop, hop. Voilà, on refait la même. Hop, hop. Ah bah là, il a pas été au bon endroit, tu vois. Hop, hop. Hop. Non? Comment ça, non? Hop. Hop. Voilà, merci. Quand même, hein. Faut pas déconner des fois. Et maintenant, qu'est-ce qui... Quoi? C'est un peu serré là. Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Évidemment que c'est pas bon. C'est bon? Non, c'est pas bon.
C'est bon? Oh, merci. Jamais autant attendu la fin d'un boss. Super. Il y a un château là-bas. C'est marrant, je l'avais jamais vu jusqu'à présent. Corpse Chaos. Mais ce serait pas le château du boss déjà. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que King K. Rool, il ait un château aussi miteux que ça. Bref. Je voulais aller voir. Quoi déjà? Oui. Il y a un ours qui me dit, il me donnait des secrets que j'ai jamais achetés. Mais j'aimerais quand même savoir. Si jamais Cranky apprend l'existence de cette console, il jouera tout le temps. C'est pas là que je voulais aller, pourquoi j'ai été la voir elle? J'en sais rien. Pour voir que j'ai 10 oiseaux, 22 pièces et que je suis à 60%. Sûrement. Sûrement pour ça que je suis allé. Tiens, il y a beaucoup d'oiseaux, ouais, quand même. Donc c'était lui. Voilà, lui. Alors, à qui est le château des caves secrètes? Il voulait combien de pièces pour le château? À qui est le château? 2 pièces. Bah vas-y, je vais y aller donc autant le savoir. Eh bien, en arrivant aux abords du château, j'ai vu un écriteau disant « Dehors les touristes », alors j'ai fui. Mais quel bouffon, putain. Mais quel bouffon. Et le gars me fait payer pour ça, quoi. Il a dit quoi? Il n'avait pas de pièces, mais comme il était gentil, je ne lui ai pris que 500 rubis. Après, il est parti. Il a aussi dit que mes coquillages n'étaient pas réglementaires. Ok, il y a Link qui est venu au château, du coup. Intéressant. Super. Des caves secrètes? 14! Bon, écoutez, j'ai rien d'autre à faire de mon argent, de toute façon. L'aide de Funky te sera utile pour fouiller certaines îles ou montagnes. Mais y a-t-il de niveaux secrets? Plus tu payeras, plus tu en sauras. Non. Le gars, c'est un fils de pute jusqu'au bout. Hein. Non, je vais pas payer. Ok, bon. C'est du conseil à 2 balles pour le coup. Vraiment, littéralement, conseil à 2 balles. Ça coûtait 2 balles. Bon bah écoutez, on va faire un petit tour au château. Mais il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'ai toujours pas d'idée de ce qu'est cette histoire de monde perdu là. À mon avis, c'est avec ça. C'est avec ces 4 rochers là. Mais qu'est-ce que je fais avec ces 4 rochers là en fait? Tu vois? Je tourne autour. Je fais un tourbillon. Ah, je les entoure les uns après les autres. Regarde. Hop. Ça fait 1. Hop. On va aller lentement. Ça fait 2. Hop. Ça fait 3. Et hop. Ça fait 4. Et là, pouf! Le niveau magique apparaît. Ah non. Putain. C'est non pourtant. Bon, Corp Chaos. Oh. Putain, mais là, c'est vraiment... Là, il y a un truc dans la cascade, par contre. Non, pas du tout. Qu'on voit encore. Est-ce que c'est le château de King K. Rool? Ça m'étonnerait beaucoup, quand même. Hein. Attends, on est où, là? On est dans la jungle? Putain, ils roulaient pas, eux, avant. Ah, voilà. Voilà le genre de niveau que ça va être. Ils existent encore, eux? Ça
fait 10 ans qu'on les a plus revus. 10 ans facilement. Non! Aha! Collecter 30 étoiles. Très bien. J'ai les 30. Non? Comment ça, non? Ah, elle était là. Ok. 46. J'ai 46 pièces bonus quand même, c'est pas rien. Et je sais toujours pas à quoi ça me sert. Regardez, regardez ce qui va se passer. Magnifique, hein. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh! Il m'a fait peur le dernier. Ok, il y avait une pièce là. Hop là. Hop là. Attendez, y'avait pas un truc en bas là? Mais tu vois, je peux pas aller vérifier s'il y a un truc en bas, si je vais mourir. Et probablement qu'une fois il y aura un secret. Mais c'est de la merde du coup. Si je dois mourir pour vérifier s'il y a un secret. Forcément c'est de la merde. Ah lui il s'en fout. Ah lui y'a personne dedans. Ok. Ok, ça se passe. Ok, ça se passe. Ok. Bah oui, évidemment que j'allais me faire toucher en fait. Il pouvait rien se passer d'autre à cet endroit-là. Non mais lui, il est trop gros. Il faut qu'il fasse un régime en vrai. C'est pas possible. Je vais jamais passer. Lui, s'il était tout seul dans le jeu, jamais il finirait le jeu en vrai. Je vais le garder en premier, je vais jouer avec lui en premier pour faire office de bouclier humain. Merde. Hop. Putain. On va rechercher le tonneau, vite! C'est bon. Nice, le tonneau était vachement utile pour le coup. Là, alors là, je comprends toujours pas qu'est-ce que je suis censé faire. Ah, faut aller vraiment tout au bout. Ok. Fallait savoir ça. Écoutez, fallait le savoir. Ah. Au moins, on est au checkpoint, quoi. J'espère que vous entendez pas, mais il y a un type qui est en train de scier un arbre dehors. Ça fait du bruit. Dommage. Bah ouais, évidemment. Forcément. Avec lui, ça va pas aller. Hein. Quoique, voilà, c'est bon. Je vais récupérer. Donc là on retient, on va tout au bout. Et ensuite on fait ça. Ok. Donc là il y a l'abeille qui va voler entre les deux, voilà. Hop, stylé. Oh putain, tu me fais plus des frayeurs comme ça. Hein. C'est bon, on a une vie. On a une vie en plus. Hop, hop. Non mais encore! C'est chiant, mais c'est chiant. Bon, si j'arrive à avoir la lettre G à chaque fois, je ne perds techniquement pas de vie. Donc ça va.
Ah, je l'ai eu cette fois. Non mais écoute, écoute, bon, au bout d'un moment. Ça va aller ta merde là. Ah mais elle... On aime bien ces moments-là. On adore ces moments-là, putain de merde. C'est bien ce que je pensais. Dixie lance les tonneaux moins loin que l'autre là. Regarde là par exemple, j'arriverai pas à le toucher. Voilà, alors qu'avec l'autre, j'ai réussi à le toucher avant. Tu vois. Donc là, ce jeu implicite que... Ah mais y a un truc là-haut, attendez. J'avais jamais fait gaffe. Ah, une banane. Stylé. C'est un tonneau secret! Bah heureusement que je refais du coup. Y a pas d'ennemis, on est d'accord. Il est chaud celui-là. Vraiment chaud, hein. Attendez, du coup, c'était là? Ah, c'était juste là. Bon, je peux le refaire à l'infini. Écoutez, du coup, je vois pas la difficulté. Pas eu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On a le tonneau, on a tout, c'est parfait. Du coup, je me souviens plus du niveau parce que j'étais concentré sur autre chose. Ah oui, voilà, là il y a la baie qui passe au milieu. Là ensuite je sais plus. Oh voilà, il y a ça. Et là il y a de nouveau la baie qui passe au milieu. Et malgré tout, malgré le fait qu'on le sache, on se fait quand même toucher. On peut aller en bas? Ah ah! Ah! Il est... Oh! C'est bon. Attends. C'est bon. C'est bon. 100%? Ah oui, 100%. Simplement 100%. Code de baffle. Salut à toi, Dixie. Je suis Baffle, le maître des décodeurs. C'est un hippie? J'ai un problème, je n'arrive pas à décoder un message, je devrais y réfléchir plus intensément. C'est vrai. Il veut un décodeur. Si tu veux. Si tu veux, écoute. Caverne flippante. Parce que le seul truc qui m'embête dans ce monde, c'est qu'il y a un lac au milieu et qu'on risque de... Il risque d'y avoir un niveau dans le lac, d'ailleurs je le vois déjà. On va devoir traverser le lac. Ça me fait déjà chier. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Allez, c'était Julien, je vous dis salut, salut, ciao, ciao. Et à la prochaine, à plus.